tous, c'est Alexis, Retro Gamer 121, point d'interrogation, cool et autres. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai trouvé un site qui s'appelle Achat moins cher. C'est pour avoir des jeux vidéo, par exemple, des Lego, de l'informatique, n'importe quoi le moins cher possible. Là, vous allez être surpris, c'est un site qui trouve le moins cher possible. Je vais vous montrer un exemple. Imaginons que vous adorez les jeux vidéo. Voilà. Moi, j'aime bien les jeux DS. Voilà, donc ça marche pour toutes les catégories. PC, PlayStation, DS. Donc là, en fait, ça va calculer tous les jeux DS qui existent pour vous montrer le moins cher possible actuel. Donc imaginons que je cherche un jeu DS. On va prendre un exemple d'un jeu que je connais bien. On va voir si on a Les Sims 2. Mais pas n'importe quel. Les Sims 2 Castaway, quand ils sont sur la plage. Donc on regarde s'il y a ça. Donc vous voyez, il y a plein de jeux. Donc si par exemple je veux Les Sims 2 sur la plage. Là, je vais dans la recherche. Je tape Les Sims. Excusez-moi. Alors là, nous avons qu'un seul Les Sims 2. Sims. Voilà, Sims naufragé. Donc ce jeu, je l'ai. Donc, ça vous indique combien il vaut. Donc là, en neuf, on peut le trouver à 49 euros. Jamais déballé. Mince, excusez-moi. On peut le trouver à 141 euros. Mince, excusez-moi. Et à 141 euros. Donc là, c'est le prix qui vaut en neuf. Jamais déballé. En occasion, attention, ce jeu ne vaut pas bien sûr 141 euros. Ce jeu ne vaut presque rien. Ce jeu, il vaut un Sims naufragé sur DS, ça vaut minimum 4 balles. Regardez, voilà. Le moins cher, il est à 6 euros. Alors, ça compare les sites internet pour trouver les jeux vidéo les moins chers possibles. Alors, pour ce jeu, honnêtement, je mettrais 3,99€ pour ce jeu. Mais le moins cher actuel sur internet, il est à 6,99€. Alors, imaginons que vous voulez acheter un jeu qui coûte cher. Je vais vous montrer un exemple. Un exemple qui soit courant, on va prendre un jeu que je possède aussi sur DS. Ta-da. Ce jeu, je le possède. Alors, vous voyez qu'en neuf, ils le vendent 599 euros. Oups, excusez-moi. 689 euros. Mais combien on peut le trouver en occasion? Le moins cher possible. Le moins cher actuellement, il est à 50 euros. Et encore... Oups, excusez-moi. 50 euros pour ce jeu, parce que je le possède, pour qu'il y ait une version noire ou version blanche, c'est encore cher pour ce jeu. Mais le moins cher sur Internet, c'est 50 euros. On peut encore le trouver moins cher, vu que ce jeu, on peut le trouver à 30 euros. Voire même 29 euros dans les magasins d'occasion. Mais là, comme vous voyez, il est en 9 à 600 euros. Voilà, ça c'est pour ceux qui achètent sur internet. Et en occasion, il est à 50 euros. Bien sûr, c'est très très cher. Donc là, c'est pour comparer les sites. Pour ceux qui achètent beaucoup sur internet des jeux. Pour essayer de trouver un jeu DS, un jeu PS3 ou un jeu le moins cher possible sur internet. Je vais vous montrer un exemple avec des Lego par exemple. Voilà, donc vous allez dans Jouets, Lego, et vous voyez, il y a plein de Lego qui apparaissent. Donc je vais vous montrer un set Lego que je possédais. Voilà, je vais vous montrer si je le retrouve. Lego City. Est-ce que je vais le retrouver? Ça va être chaud de le retrouver parce que c'est des Lego anciens. Je pense pas le retrouver, mais on va prendre l'exemple. Ouais, c'est que à la dernière page pour voir.
Parce que là, c'est vraiment du Lego très très ancien. Ah, un Lego que j'ai. Mince. Celui-là, on peut pas y accéder tout de suite. Ah, celui-là. Perfect. Donc celui-là, vous voyez qu'il est à 50 euros. Donc certains Lego se vendent cher, mais quand on clique sur un Lego, par exemple, pour trouver le moins cher, je vais prendre l'exemple. Prendre l'exemple, allez, de ce Lego-là. Vous voyez ce Lego-là? Il est à 69 euros. Mince, excusez-moi. Et ben, ça compare les prix pour trouver le moins cher. Là, ça vous affiche les prix de la boîte neuve, jamais déballée. En occasion, on peut le trouver à 14 euros. Voilà. Donc, ça compare les prix pour trouver le moins cher sur les Lego et sur tout et n'importe quoi. Donc, là, je vous montre un autre exemple. Pas que sur les Lego, vous allez être surpris, sur les consoles. Donc, imaginons que vous voulez une console de jeu. Par exemple, on va prendre. Une PlayStation 3. Et ben on peut trouver la moins chère possible. On va prendre l'exemple d'une PlayStation 3. On va prendre l'exemple d'une PlayStation 3 très connue. Elle s'appelle la PlayStation 3 Slim. Donc en occasion, on peut la trouver à 49 euros. C'est le moins cher qu'on peut trouver pour la PlayStation 3. Et ça vous affiche les prix combien elle valait. Donc là en 2023, voilà, ça vous affiche les prix de combien il les vendait. Alors bien sûr, je vous rassure. Une PS3, ça vaut pas 900 euros. Une PS3, ça vaut 50 euros. Faut pas tomber dans le panneau. Parce que là, c'est une PS3 occasion sans boîte. Donc, si vous, on vous offre une, on vous fait une offre d'une PS3 sans boîte à 900 euros, ne la prenez pas parce que c'est pas une bonne occasion. D'ailleurs, ça vaut pas 900 euros une PS3. Ça vaut 50 euros. Et oui, faut pas tomber dans le panneau. À 900 euros, c'est plutôt pour 900 euros, c'est plutôt un pack. Par exemple, un pack PS3 avec un jeu, deux jeux, deux manettes, oui, là, 900 euros, ça vaut à peu près. Mais une PS3 simple, non. Donc il y a tous les prix pour tous les PS3. Même encore à la rigueur, 90 euros un pack, ça va. Mais ne tombez pas dans le panneau et mettez pas 900 euros pour une PS3 simple. Vu que même, je dirais aujourd'hui, si on cherche bien, on peut en trouver à 20 euros. Si on cherche bien. Et ça compare les prix de tous les sites pour, exclusivement pour ceux qui achètent sur Internet. Pour ceux qui n'achètent pas sur Internet, c'est pas la peine de regarder. Parce que moi, j'ai pas besoin de vraiment de regarder. Parce que j'achète pas bah, sur Internet, quoi. Moi, j'achète que en brocante ou en magasin d'occasion. Donc, je sais déjà que les prix seront chers. Mais on peut trouver moins cher. Par exemple, je voulais prendre l'exemple d'une PS2, mais j'en ai pas trouvé. Bon, on va voir si on trouve une PS2, par exemple. Est-ce qu'on peut marquer, par exemple, PS2, voir si. Non, il n'y a pas d'exemple de PS2. Tiens, Xbox, non, il n'y a pas. Je cherche l'exemple. Prends l'exemple des jeux. Jeux vidéo Xbox 360. J'en possède. Donc, comme vous voyez, les Xbox 360, on peut en trouver encore. Donc, vous voyez, par exemple, prends l'exemple d'un jeu très connu sur Xbox 360. Vraiment, pas mal de gens y ont joué. Il est là. Il s'appelle Call of Duty Modern Warfare. Plein de gens jouent à Call of Duty. Donc là, on peut le trouver à 10 euros en neuf. Jamais déballé. En occasion, on peut le trouver à 1,99. Voilà. Donc c'est à peu près le prix. Oups. C'est à peu près le prix qui vaut. Ouais, c'est 2,99 normalement qui vaut ce jeu. Donc voilà. C'est pour comparer les sites de tout et n'importe quoi. De livres, de jeux vidéo, etc. Donc, il y a des jeux qui sont ultra chers, comme par exemple celui-là. Ou alors celui-là. Mais bien sûr, ils t'affichent le site où tu peux acheter le jeu neuf. Par exemple, celui-là. Il est neuf. En fait, quand le magasin précise neuf, ça veut dire qu'il y a le plastique autour, qui n'a jamais été déballé. Par exemple, un jeu neuf. Jeu neuf, par exemple. Pour montrer un exemple, un jeu neuf Xbox 360, on va montrer une image. Un jeu neuf sous Blizzard, ça ressemble à ça. Je vous présente l'exemple d'un jeu.
Mince, ça n'existe plus. N'importe quel honneur sous blister, voilà. Ah, il me semble même que c'était à chaque fois. Attendez. Ouf, 9. Voilà, déjà 9 sous blister, ça ressemble à ça. Je prends l'exemple d'un jeu PS3. Un jeu neuf sous blister, ça ressemble à ça, c'est-à-dire qu'il y a le plastique autour et qu'il n'a jamais été déballé. Vous verrez mieux quand je vous présente ce côté, voilà. Neuf sous blister. Là, juste là, c'est un jeu de rugby, bon, ça vaut pas grand-chose. Hein. Mais c'est un exemple d'un jeu, quoi. Un jeu neuf sous blister, je présente d'autres exemples. Ouais, non. Un jeu neuf sous blister, voilà, PS2 par exemple. Donc plastique avec le plastique autour. Donc voilà. Donc des jeux comme ça, on en trouve encore. C'est rare sur PS2, mais on en trouve. Alors faut savoir que sur les anciennes consoles, PS2, PS3, Xbox 360, GameCube et Xbox normale, des jeux neufs sous blister ont plus de valeur que déballés, si c'est en parfait état. Bon, bien sûr, un jeu de basket, ça vaut pas une grand-chose en soi. Ça vaut 3 euros, 4 euros. Mais 9 sous blister, ça peut valoir plus cher. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Donc là, ça monte les prix. Donc, j'ai pris l'exemple d'un jeu Xbox. Prenons l'exemple d'un jeu de course sur Xbox, par exemple. Quel jeu on pourrait prendre comme exemple? Un esport speed. Voilà. Donc là, on l'a à 33 euros en 9. Mais en occasion, on peut le trouver à 7 euros. Et là, vous pouvez mettre en un an. Alors, au début, il le vendait 74 euros en occasion, mais aujourd'hui, on peut le trouver à 33 euros. Donc, bien sûr, là, ils te disent le genre du jeu. Et là, ils t'expliquent, en gros, les descriptions que c'est du rétro gaming. Ah oui, parce que Xbox 360, PS3, PS2, ça commence à PS2, PS1, Xbox, GameCube, c'est du rétro gaming. Mais bientôt, l'Xbox 360 et la PS3, ça sera du rétro gaming. Bientôt. Je pense dans 5 ans. Alors, c'est pas encore du rétro gaming, parce qu'il y a encore des serveurs online ouverts sur la PS3 et la Xbox 360. Mais bientôt, ces jeux deviendront rétro gaming. Bientôt. Donc là, on peut savoir tout sur les jeux, tout. Alors, c'est uniquement pour Internet. Alors, bien sûr, les prix sont ultra chers pour certains jeux. Par exemple, ce jeu-là, je mettrais pas 9 balles pour ce genre de jeu. Je mettrais 2,99 €. Il y a des jeux qui sont très très chers. Mais bon, il faut trouver les jeux les moins chers possibles. Bien sûr, on peut voir les états des produits. On va mettre uniquement occasion et appliquer les filtres. Là, c'est que de l'occasion. Donc, regardez bien. Je vais prendre l'exemple des jeux. Donc, voilà. Donc, là, c'est que de l'occasion. Vous voyez très bien qu'il y a des prix qui sont vraiment donnés. Par exemple, ce jeu de boxe, occasion, 99 centimes pour ce jeu de boxe. Alors que normalement, ce jeu de boxe, il vaut 2,99 €. Là, on l'a à 99 centimes. Je prouve la preuve, je vais aller sur le site. Regardez. 99 centimes. 99 centimes. Vous vous rendez compte? Je connais un peu les prix des jeux, donc je sais que 99 centimes, c'est donné. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un jeu, d'un autre jeu. Cherche un jeu que je connais, hein, que je peux présenter. Ah! Donc là, je vous présente les jeux, mais je vous en présente un que je connais. Donc, je cherche un titre que je connais. Tidé, 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 tidé.
Donc laissez-moi chercher un jeu que je connais. Minecraft. Parfait. Alors Minecraft, je connais, hein. Là c'est la version Xbox 360. C'est un jeu qui normalement coûte pas mal. Mais comme vous voyez, le moins cher actuel, il est sur Rakuten à 4,50€. Minecraft, tout le monde connaît, hein. Donc voilà, donc il y a plein d'autres jeux et on peut mettre occasion. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir le prix qu'on veut mettre. Un exemple. Prix. On va mettre le moins cher possible, 1 euro. Imaginez les jeux 1. Donc là, voilà, c'est tous les jeux à 1 euro. Donc voilà. Et on peut taper la recherche. Je vais taper par exemple un Sonic. Regardez. Là, c'est les moins chers. Bien sûr, il n'y aura aucun Sonic. On va tester avec 5 euros. Est-ce qu'il y aura des Sonic à 5 euros? Non, il n'y a aucun Sonic à 5 euros. Voilà. Sonic, tout le monde connaît, hein. Il n'y a aucun Sonic à 5 euros. Là, on a encore Sonic à 5 euros. Donc, je peux mettre GTA. Voilà. Donc, on peut avoir un GTA à 5 euros. Voilà, le moins cher, c'est 5 euros. En neuf, c'est 10 euros. Voilà. On peut le trouver encore moins cher. Ce jeu, on peut le trouver à 3,99 dans certains magasins en occasion. Donc il y a plein de jeux. Hein. Celui-là, attendez, excusez-moi. Celui-là, par exemple, je l'ai. Vu que j'ai maintenant que j'ai une Xbox 360, j'ai ce jeu. Et donc oui, le vendre 35 euros et 50 centimes, je l'ai. Donc voilà, donc. Celui-là, je l'ai sur PS2, par exemple. On peut le trouver à 10 balles, ce jeu, en occasion. Voilà, donc c'est pour plein de sortes de jeux. Est-ce qu'il y aura des jeux DS à 1,04€, à 1€? Donc là, on enlève Pokémon. On va mettre des jeux DS à 1€. Des fois, on peut y en avoir. Donc voici l'état des produits uniquement occasion. Voici les jeux DS qu'on peut trouver à 1€. Donc là, nous avons Disney Princess. Nous n'avons pas grand-chose à 1€. Nous avons Passport. Bon, c'est des jeux bas de gamme. Ah, quand même, Nintendogs à 1€. Je l'ai ce jeu en plus. Pas cette version-là, mais une autre version. Le moins cher, il est à 1,99€. En neuf, on peut le trouver à 35€. Donc est-ce qu'on a moins cher? On a Beyblade à 1,19€. Je l'ai ce jeu. 1,50, un petit œuf. Ouais, c'est des jeux bas de gamme. Hein. Le monde de Nadia. Le moins cher. Est-ce qu'on a un jeu intéressant? Pas trop cher. Oui, nous avons un Pokémon à 9 euros. C'est un peu plus cher qu'un euro, mais. Ah, un Star Wars à 2,99. Ça reste des jeux de qualité quand même. Je regarde si on a des jeux intéressants, pas trop chers. Mais en principe, ah, Legolas of Chima, 1,50€. J'y ai joué. Vraiment un jeu pas mal. Je suis choqué qu'ils le mettent à 1,50€ parce que c'est un jeu quand même qui cote. FIFA Street, bon, ça cote pas du tout. Ça me choque pas. Donc en fait, en gros, c'est pour vous montrer un site où on peut avoir des jeux pas trop chers. Bien sûr, ça marche pour tous les jeux. PS2, PS1, PS3, DS, 3DS. Et ça vous indique le moins cher possible en occasion et en neuf. Il y a des jeux, les prix sont délirants. Bien sûr, si vous allez dans les magasins d'occasion, vous pouvez trouver encore moins cher. Ou dans les brocantes, c'est encore moins cher. Vu que par exemple, ce genre de brocante, on peut le trouver à 3 euros.
Celui-là, on peut le trouver à 4 euros. Celui-là, on peut le trouver à 1 euro. Celui-là, on peut le trouver à 2 euros. Celui-là, on peut le trouver à 5 euros en brocante. Il y a plein de jeux, par exemple, un Jack Sparrow à 99 centimes, c'est pas trop cher. Parce que Jack Sparrow, c'est pas le jeu qui cote le plus. Par exemple, celui-là, c'est Advanced Warfare. On l'a à 9 euros en occasion. Et en neuf, on peut le trouver à 54 euros. Bon, ce jeu, il vaut rien du tout, hein. Ah, celui-là, je suis choqué. Pirates des Caraïbes à 99 centimes. Je l'ai. Et ce jeu, il vaut 6 euros normalement. Mais là, il est à 99 centimes. Franchement, ça vaut le coup. En plus, c'est un très bon jeu, je l'ai fait. Franchement, si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Il est bien. Il est rapide à faire. Il n'est pas trop compliqué. C'est pas le jeu Lego le plus compliqué. Normalement, en 3 semaines, on peut finir le jeu. Voilà, donc c'était pour vous présenter un site. Qui s'appelle achat-moins-cher.com. On peut avoir n'importe quoi le moins cher possible. Bien sûr, c'est ça qu'on parle les sites. C'est une vidéo que je vous fais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Bon, bien sûr, il y a des prix qui étaient extrêmement délirants pour des jeux. Mais comme vous connaissez sûrement les jeux, vous pouvez savoir si vous êtes gagnant ou perdant. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. C'était Alexis Retro Gamer. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout.